Non, c'est sûr, là. Ça a été un parcours qui a été relativement douloureux, mais qui finalement fait que maintenant, la vie est bien différente. Voici Marcel. Marcel travaille au Cégep de Rivière-du-Loup. Il est messager. Son travail l'amène quotidiennement à côtoyer plusieurs dizaines de personnes. Il est apprécié de ses semblables. Pourtant, Marcel vit seul, à l'écart, dans un appartement de Saint-Ludger. L'efficacité et la bonne humeur qu'il emploie à son travail ne font que cacher un lourd secret. On était 5 familles. Cinq familles, ça veut dire une trentaine. De nombreux frères et sœurs et gens de ma communauté sont décédés à cause du manque de nourriture, de la qualité de la nourriture qui s'est dégradée au fil des ans. On peut penser, par exemple, à tous les pesticides qui ont été déversés dans les forêts, les territoires agricoles, les pesticides sur les arbres, et ainsi de suite. Alors, notre nourriture s'en est trouvée beaucoup dégradée et les plus faibles d'entre nous n'y ont pas survécu. Marcel n'est pas un réfugié ou une victime du réchauffement climatique. Marcel appartient, ou plutôt appartenait, à un groupe que l'histoire avait classé du côté de la mythologie. On n'a jamais voulu non plus beaucoup se faire connaître. Alors, d'aussi loin que je me souvienne, il y a quelques 250 quelques années, le clan des Centaures de Vigée était dans le comté. Et puis, le territoire des Centaures était entre aujourd'hui ce qu'on peut appeler Saint-Hubert, Saint-François, dans ce coin-là. Oui, le district de Vigée. Lorsque les autres sont arrivés, lorsque les humains sont arrivés, nous, on a dû se retirer puisque on ne voulait pas être vus par ces gens-là. On voulait garder notre secret, si on veut, de notre existence. Et au fil des ans, on s'est reculé. Notre territoire s'est rapetissé de plus en plus et de nombreux frères et sœurs et gens de ma communauté sont décédés. Il fut un temps où je me suis retrouvé seul. Évidemment, le contact avec les Indiens de notre secteur me permettait de survivre puisqu'ils s'occupaient de moi. Ils voyaient est-ce que j'ai de la nourriture, et ainsi de suite. J'ai réfléchi à ce qui se passait et un bon matin, quelqu'un. En fait, je ne voudrais pas élaborer trop sur cette période-là de ma vie. J'en dirais ceci. Un donateur anonyme est venu à moi. Alors, quelqu'un qui m'a parlé de la possibilité de procéder à une opération et qui me permettrait ainsi de quitter mes quatre pattes galopantes pour me retrouver comme les humains de l'environnement avec deux jambes standards. Ce qu'on ne m'avait pas dit et qui était prévisible, je pense, c'est que j'ai perdu l'ensemble de ma pilosité. Donc, tous mes poils sont tombés des suites de cette opération-là. C'était une période de réadaptation importante. Pendant 30 ou 40 ans, je me suis réadapté toujours en forêt, à l'abri des regards. Question de maîtriser mon nouvel équipement, en guillemets, pour être sûr de passer le plus inaperçu possible.
Alors les gens ne savent pas que je fus un jour un centaure. Ils ne peuvent pas deviner. Sauf peut-être en quelques rares occasions des grands observateurs, mais autrement, les gens ne devinent pas. Hormis le fait que j'ai perdu toute ma pilosité, il me reste un petit souvenir de mon époque. De mon époque de centaure. Alors voilà. Marcel retourne en forêt parfois pour galoper à la vitesse que lui permettent ses nouvelles jambes. Galoper, oui, mais surtout pour sentir le vent sur son visage, car, comme il aime bien le répéter, au pas, au trot ou au galop, l'important, c'est d'avoir le visage dans le vent.